J'ai toujours décidé, parce que c'était dans mon caractère, d'être ouvert aux autres et de recevoir des autres et de pouvoir partager dans la tolérance et l'amour. C'est-à-dire que j'ai toujours été attirée par les gens qui sont en difficulté, quelles que soient leurs difficultés. Nous avons accueilli, avec mon mari et nos enfants, beaucoup d'enfants qui venaient d'Afrique pour se faire opérer du cœur à Montpellier, chercher des familles d'accueil pour qu'on puisse garder les enfants un mois chez eux après le temps de l'hôpital. Et le temps de l'hôpital, c'est un temps très important puisque nous devions payer les opérations en tant qu'association. Et tous les jours, on allait le voir à l'hôpital et on était en contact avec les médecins et infirmières. Et il y avait toute une communion entre les personnes extraordinaires. Actuellement, j'ai conservé les Restos du Cœur. Ça fait 28 ans, 29 ans, j'ai démarré avec Coluche. Nous essayons de faire de l'accueil, du partage et de l'aide autant que l'on puisse le faire sur le plan de l'échange. Il y a les inscriptions, les Restos du Cœur sont très difficiles parce qu'il faut que les gens apportent leur papier pour qu'ils rentrent dans certains quotas. Pour ensuite avoir une distribution alimentaire régulière. Je suis toujours admirative, je leur dis, mais écoutez, à votre place, je ne sais pas si je ferai ce que vous êtes en train de faire. En tant que citoyenne, comme tout un chacun, en sachant que des gens en particulier se sont fait tuer pour pouvoir voter, je me sens complètement citoyenne pour aider. Autant qu'on peut le faire, le prochain, celui qui vit dans la commune, qui vit dans le monde, être là, présent, et ne pas dénigrer systématiquement tout ce qui se fait. Et si j'ai eu la chance de trouver ce groupe, c'est qu'on s'écoute, on se laisse parler, on partage, et on arrive à des conclusions formidables, avec beaucoup d'honnêteté. J'ai distribuer des tracts comme tout le monde. Ça permet de connaître le village, de croiser des gens. On est allé, je ne suis pas très pour faire le porte-à-porte. C'est magnifique. Et c'est surtout de dire aux gens, parce qu'ils le réclament, qu'on leur fasse partager ce qui se passe dans une commune. C'est difficile de leur demander ce qu'ils aimeraient qu'il se passe dans une commune, pourquoi on le fait et ou pourquoi on ne le fait pas, ce qui est le plus important. Parce que les gens entendent des promesses, et puis rien ne se fait, ils n'ont pas compris pourquoi, et souvent ils disent on nous a trompés. Donc ça aussi, d'être très très honnête dans toutes les activités que l'on peut faire. Ça m'apporte du courage. C'est pour le bonheur. Hein. J'y vais vraiment parce que ça m'apporte quelque chose. Et puis je rencontre des gens qui sont en grande difficulté et qui remontent le moral en définitive. C'est une force, c'est un besoin. C'est un besoin pour moi personnellement, hein. Mais pour beaucoup de bénévoles. Hein. C'est pas le fait de se donner bonne conscience. Voilà, pas du tout. Faire comprendre que c'est pas pour se mettre en valeur quelque part, hein. C'est pour son bien-être, égoïstement, son bien-être personnel, et parce que ça fait partie de sa personne. Ce qui me chagrine maintenant dans notre pays actuel, c'est que les choses vont mal, ça c'est vrai, mais qu'on amplifie ce mal en voyant encore plus mal. Et ça c'est très très dommage. C'est comme tout ce qui est laid, et qu'on ne montre pas tout ce qui est chouette. Et puis je me dis, au lieu de se plaindre tout le temps, positivons, parce qu'il y a des gens qui pourraient se plaindre normalement et qui arrivent à avoir le sourire.